donc nous reprenons après une première prise de vue l'exposé pour comprendre les tenants et aboutissants de Saint Joseph. Qu'est-ce qu'il vient faire au milieu de l'histoire de Jésus? Puisque tout le monde sait qu'il est le Père putatif, c'est-à-dire qu'on dit qu'il est le Père, mais on sait très bien qu'il n'est pas le Père biologique. Donc la dernière fois, nous avons dit que pour faire de l'humanité, il faut d'abord et avant tout une fécondité. Ça fait partie de la vie. Il se trouve que le fait d'être stérile, par exemple, dans le monde hébraïque, était vraiment vécu comme un malheur, et même comme une condamnation divine. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour ne pas avoir d'enfant, hein? Donc au tréfonds de l'humanité, il y a cette nécessité de se reproduire. Ou du moins, parce que reproduire, c'est plutôt du vocabulaire animal, de produire incessamment de l'homme. Parce que on produit de l'homme par la fécondation, bien sûr, on fait un bébé qui va naître, mais après, il faut l'éduquer. Et l'éducation est d'abord une espèce de maîtrise des parents ou des enseignants qui sont là, ça se trouve depuis toujours. Mais de toute façon, faire de l'homme est un programme qui va durer jusqu'à la mort, puisque nous devons un jour passer de ce monde un peu comme on est passé du ventre de notre mère au monde. Donc il y a deux naissances possibles. Et donc tout l'enjeu, c'est de faire de l'homme. Mais d'abord, au début, comment on fait? Eh bien justement, pas comme les animaux, il ne suffit pas d'une fécondation, il faut un rapport de parole entre les parents. Les animaux ne parlent pas, les hommes parlent. Et on ne peut pas avoir une relation quelconque entre les uns ou les autres si on n'adresse pas la parole à autrui. C'est fondamental. Et une des injures qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de ne pas lui adresser la parole alors qu'il est là. On doit se saluer, on doit se parler, même si on est des ennemis, parce qu'on reconnaît l'humanité de l'autre. Si on ne parle pas, on ne reconnaît pas l'humanité de l'autre. Le problème, c'est quand on ne parle pas la même langue, mais on y arrive quand même. On arrive à se comprendre. On s'adresse des paroles. Même si l'autre ne les comprend pas au niveau du vocabulaire, on lui a adressé la parole, ou on nous a adressé la parole. Nous sommes des êtres humains. C'est un point très très important. Et il faut comprendre un minimum qu'est-ce que c'est que la parole humaine, qui est très spécifique justement dans notre humanité. Toutes les espèces, ou presque, communiquent. Donc aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes des experts en communication. On pense que la communication, c'est simplement transmettre de l'information. Évidemment, en ce moment je parle, je transmets de l'information, mais pas seulement. Alors qu'est-ce que c'est la différence? Évidemment, une machine qu'on écoute, un écran de télé, un ordinateur, un portable, il transmet de l'information, mais ne parle pas. Peut-être qu'on entend dans cette information, justement, la parole de quelqu'un qui a parlé. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécifique? C'est que la parole, c'est toujours une relation d'un être humain à un autre être humain. Bien sûr, pour s'amuser, on peut parler aussi à ces bêtes, qui comprennent. Moi, j'ai eu des chiens, je pouvais parler avec mes chiens. Enfin, avec, non. Ah,
parce qu'il ne pouvait pas répondre. Il répondait d'une certaine façon, parce que quand je disais bon, « on va promener », il se précipitait à la porte, donc il comprenait ce que je disais. Et il répondait dans la façon toute joyeuse de se précipiter vers la porte. J'avais deux chiens. Donc, il y avait de la communication. Mais est-ce qu'il y avait de la parole ? Alors c'est important, puisque l'enfant qui va être enfanté chez Marie et Joseph, on va l'appeler, par métaphore, et peut-être plus profondément encore, la parole, le verbe. Verbum en latin, ça veut dire parole. Comment on engendre la parole ? Eh bien, il faut remarquer que nos communications sont toujours d'être humain à être humain, le fondement. Même si on peut parler à son chien ou à son chat. Et qu'est-ce qu'on fait ? On transmet de l'information la plupart du temps. On va dire, tiens, on va aller faire les courses, il faut sortir, mets ton paletot. Bon, ça, c'est de l'information. Mais il y a le ton. Mais il y a l'intention. Mais il y a tout un contexte. Ça s'appelle la culture. Et selon le ton sur lequel on nous parle, ou nous parlons à l'autre, il comprend que nous sommes chaleureux ou froids, en colère ou aimables, requérant l'affection ou pas, etc. Donc, dans la parole va apparaître à peu près tout ce qui constitue l'homme. Si vous écoutez bien parler quelqu'un, comme si vous m'écoutez parler, je n'ai pas besoin de me présenter, vous savez tout de moi si vous savez entendre. Parce qu'on ne peut pas tricher. Ce qu'on dit, on le tire du fond de son cœur, comme dit Jésus. Alors, je vais donner une définition de la parole, qui est un peu difficile, mais vous aurez l'occasion de réécouter. De le réécouter la même phrase plusieurs fois. Dire que la parole humaine, c'est une relation d'intelligence à intelligence. Mais, comme l'intelligence ne peut pas se communiquer, on peut communiquer des affects. On a peur et on peut communiquer cette peur à autrui. Tout d'un coup, il a peur parce que quelqu'un a peur. Ces émotions-là, très profondes, on peut les communiquer. La joie peut se communiquer, la tristesse aussi. L'intelligence, non. Et pourtant, il nous faut communiquer d'intelligence à intelligence pour être homme. Comment on fait ? On instrumentalise le langage. On prend des mots qui font partie de la langue que tout le monde parle, là où on est. Et ces mots doivent être le message d'une chose qu'on a comprise. Ou alors on répète simplement, comme d'habitude, on bavarde, on ne parle pas. Si on a compris quelque chose, c'est un acte d'intelligence extrêmement profond. Ce n'est pas simplement neuronal non plus. Comment le transmettre ? Eh bien, on va instrumentaliser le langage, les mots. Il y a des langages, il y en a des milliers sur cette terre. Il y a 5 ou 6 000 langues répertoriées à l'ONU, plus tous les dialectes, plus toutes les façons dont chacun utilise le langage commun. Ça fait autant de langues pratiquement que d'hommes. Mais enfin, il y a des grandes familles de langues. On arrive à peu près à se comprendre quand on parle le même langage, le même vocabulaire. Et c'est pourquoi c'est difficile quand on parle même deux langues, même trois langues, à bien comprendre autrui. En général, on s'en abstient parce que ce qui nous intéresse dans la vie courante, c'est l'information pratique. Alors, dans l'économie, on fait de l'information pratique. C'est plus une parole vraiment humaine. Parce que ça demande du temps. Et l'instrumentalisation du langage nous met en état de bien de coder, si on peut dire, les mots qui sont porteurs
d'un sens qu'on a entrevu et qui doivent être décodés par celui qui écoute et qui doit reconstituer du sens. Mais il n'y a aucune garantie que le sens reconstitué par celui qui entend était le sens de ce que, qui était transmis par celui qui parlait. D'où la très grande difficulté, même quand on parle la même langue, même quand on est instruit, de communiquer vraiment. Évidemment, si on n'a pas le langage, c'est presque impossible. Alors on fait des gestes, même quand on a le langage, on fait des gestes. Mais, et donc là, le problème est difficile. Mais ce que je veux dire, là, et qui est très important, qu'il faudra réécouter, c'est la communication d'intelligence à intelligence. Eh bien, une communication humaine est de ce type. Elle n'est pas toujours en acte. Ce n'est pas tous les jours qu'on a cette communication. On pourrait, il se pourrait. Quand Jésus parle, par exemple, il parle de son intelligence humaine, inspirée évidemment par son Père, comme il le dit. Tout ce que je dis, ce n'est pas de moi-même que je le dis, mais de ce que j'entends dire à mon Père. Donc il y a un problème de paternité là. Mais il le dit, et il parle à l'intelligence de ses disciples, qui doivent essayer de comprendre. Parce qu'un disciple, c'est celui qui apprend et qui essaye de comprendre ce que son maître a dit. Et non pas d'imaginer un roman à propos des paroles qu'il vient d'entendre. Donc c'est un travail. Donc le disciple est à l'écoute et il essaye de comprendre, il pose des questions, etc. Et Jésus d'ailleurs reproche à ses disciples assez souvent, vous ne comprenez toujours pas. Alors c'est étonnant, c'est écrit dans les évangiles, donc ça devait être un vrai problème. Donc, pour faire de l'homme, il faut être dans cette optique de former quelqu'un qui va être capable d'entendre et de parler d'intelligence à intelligence. Et il faut, pour ça, je prends un mot technique, le rituel de la parole. Car la parole est le premier rituel qu'on peut utiliser. La première relation qui préside à la formation d'un homme, c'est justement le rapport d'un homme et d'une femme qui vont pouvoir engendrer un enfant, un garçon ou une fille. Donc c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Thank you.